Yo les gamers, je me suis pour faire une petite vidéo sur Spider-Man, on va faire la suite. Donc c'est parti, donc là on va se rendre chez, je sais pas, c'est à côté de Oscorp Industries. Et donc c'est Spidey Piratage, un truc, ou Piratage Spidey, un truc du genre Spider Piratage, voilà. Voilà, on va se rejoindre ici. Ah merde, faut aller au-dessus carrément. Ah bah très bien. Voilà, donc là on va devoir aller chercher un mec. Ok, par là je pourrais accéder au bureau de Norman. Voilà, faut. Je peux pas rentrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Ok. Bah sinon t'as qu'à te présenter en Peter Parker. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Parce que je te rappelle que. Au cas où, toi, t'es l'ami de. Les câbles du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Ok, donc ici. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un œil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère. Putain, merde! À toutes les équipes de sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu, on poursuit l'inspection à l'extérieur. Voilà le deuxième module. Quoi? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. À toutes les équipes de Sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Merci, Central. Eux, c'est chaud. Te voilà. Te voilà, Mister. Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Il me faut une équipe pour balayer le 85e étage extérieur. Merci, Central. L'oiseau arrive. Je dois y aller. Salut MJ. Je suis au milieu d'un truc là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Standish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. C'est chaud parce que en fait c'est la caméra qui bouge en même temps. Du coup j'arrive pas à me concentrer. Ok. Voilà le dernier. Eh vas-y. J'ai envie qu'il se passe rien du tout. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage. Pas encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller, il doit y avoir quelqu'un par ici. Merde, moi je suis tombé. Il n'y a que des araignées comme moi. Merde, mais pourquoi moi je suis tombé? Attends, faut aller où? Merde, faut aller en bas. Foutage de gueule. Putain, mais arrête de tomber, j'en ai marre. Et maintenant, on est bloqué. C'est bien parce qu'avec ma tenue, je suis vachement discret. Je suis fluorescent. Je vais peut-être changer de tenue, là. On va mettre la bonne vieille tenue de Spider-Man. Tu vois? Comme ça, on me verra moins. Attendez, je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson.
Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk? Quelle statue de Neo? De quoi est-ce que vous parlez? La statue Neo de la salle d'enchères. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MJ a trouvé. Qui a le fichier? Pourvu que votre ordinateur nous en apprenne plus. On est obligé de descendre. Bingo. GR-27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Et l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA? Wow, what the fuck? Ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mucoviscidose, Huntington? C'est pas croyable. Ok. C'est flippant. C'est quoi ça? Wow. Le GR-27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Merde. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par lui. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Ok. Temps de chargement, je sens, on va se faire choper par l'autre là. Ah non, non, très bien. En fait, on va juste se casser. Très bien, non mais ça me va aussi. Hein. Vraiment, les deux me vont. C'est juste qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre. Ok, alors. Il faut aller où dans l'émission? Pas d'invitation. Ouais, c'est-à-dire... MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sab n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Joindre ? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes t'y prendre ? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable ? Ça peut vite mal tourner. Ouais, où du coup ? Central Park. Ok. Central Park, donc on... Central Park qui est là-bas. Donc attendez, ah, on a une nouvelle tenue. C'est quoi la nouvelle tenue ? Elle est stylée, elle. Allez, on peut se l'acheter. Donc, on va se la mettre. Elle est stylée, mais elle fait un peu flipper. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Parce que c'est vraiment important qu'il y ait sa face flipper. Non. Plus, si on, je peux me l'acheter, si. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité, enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirez parti. Bon, on s'en fout, toi, de ton truc, là. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la mission principale. On va jouer MJ. Oh non. 15 minutes plus tôt. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer. Le contacter? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes le contacter? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Ok, et eh ben. Quelque part par là. Ah. Faut que je passe ce garde. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. Va voir ailleurs, Coco. C'était quoi ça? Je dois filer, maintenant. Je
Ça doit être Standish. Il est là quelque part. Je dois l'éloigner des escaliers. Pourquoi lui veut pas là? Vas-y, dégage. On passe juste derrière, discrètement. Sans souci. C'est quoi? Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Standish court un grave danger. C'est bon. On se dépêche. Personne sur la droite, personne sur la gauche. Standish, j'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. De faire du bruit. Standish est en sécurité, madame. Verrouillez aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Elle est tendue. Standish doit savoir quelque chose sur le docteur Michaels. Équipe Alpha, restez en alerte. Le générateur a grillé. Ça va pas l'occuper longtemps. L'autre il est en train de niquer la caisse, putain mais qu'est-ce qu'il fout? Ce camion n'a rien à faire là, il devrait être parti depuis une demi-heure. Vas-y, on y va. Le camion va se déplacer, je devrais me cacher derrière. Hop hop hop. Vraiment, mon gars, mec, les gardes, ils s'en sont pas rendus compte d'un truc. Bravo et Charlie sont en place pour le transfert du docteur Michaels, madame. Ajoutez 2 unités. Ils portent le seul échantillon du souffle du diable. Va là-bas, toi. Là, merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Putain! Moi je voulais les attirer là. Vas-y l'autre là-bas il va dire. Non, passe pas. Oh oui, descend. Yes, ça fait un garde de moins. Bon, moi je dis va là-bas. Va là-bas. Michael se trouve dans l'une d'elles, Standish, c'est peut-être laquelle. Je devrais prendre encore une photo. Parfait. Je pouvais pas prendre de photo depuis tout à l'heure.
c'est la tombe de Standish. C'est dingue que Michael se trimballe avec le souffle du diable. Où ça, la tente? Là-bas. J'espère que son égo lui pètera pas à la tronche. Ou à la nôtre. Yeah. Encore. C'est quoi cet éclairage? C'est bon, Centrale. Fausse alerte. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Qu'est-ce que c'était? Hé, qui est là? Merde! J'ai un visuel partiel. Je vais vérifier. Non! Putain, il y avait trop de monde aussi. Mais comment je fais? Est-ce que c'est par rapport à la voiture? Si la voiture repasse, c'est qu'il fallait prendre la voiture. C'est la tombe de Standish. C'est un que Michael se prendra avec le souffle du... Putain, la voiture elle repasse. Comment je fais, mon gars? Qu'est-ce que c'était? Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du mouvement qui dépasse. Putain, mais pourquoi ils veulent pas tous tourner la tête? Eh mais attends, j'ai une idée. Je vais essayer de tous les amener là-bas, regarde. Et là, maintenant, lui, là, on va l'amener d'où? Non, mais maintenant il y a l'autre là aussi. Et bah toi là, tu vas tourner la tête là-bas. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû halluciner. Merde! Qui est là? Ça marche pas. Tes voitures. Ah, peut-être par là faut passer. Passer peut-être discrètement ici. La voiture. Bouge-toi. Ça va le faire, derrière la voiture. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? On passe par derrière. Putain, par derrière, hein, encore des dagas. Allez. Eux, faut qu'ils dégagent. Putain, merde, j'ai voulu passer devant. Enfin, derrière, mais en l'éloignant. Mais je l'ai pas assez éloigné. Et du coup, comme je l'ai pas assez éloigné, bah, il m'a vu direct. Putain, quel con. Oh non, je recommence là. Ok, regarde. On va... Non, merde. En fait, lui, faut juste qu'il se retourne. J'en ai marre, moi. Toi, faut que tu te retournes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, là, faut que tu te retournes aussi. Hein? Qui est là? Bouge-toi. Vas-y, le camion, tu peux pas le faire.
le camion. C'était chaud. Là, les gardes, vraiment, ils m'attendent, mon gars. Mais toi, là, toi, faudrait que tu t'éloignes vraiment en mort. Ne viens pas là. Tu casses déjà trop les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Merci, grâce au leurre. Mais merde, les camions, ils sont partis. Reviens là-bas. Pars bien là-bas. Mais regarde le mec là-bas, faut le dissuader d'aller tout là-bas. Qu'est-ce que c'était? Mais t'as vu, regarde, je peux pas aller plus loin. Mais si je le rapproche, mais que je l'éloigne. Centrale, j'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Et toi là, dégage un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. RAS sur le secteur. Et si je m'éloigne? Et si j'essayais de faire le tour? Personne. Rien à signaler, central. Je fais une ronde. Putain, merde. C'est encore pire. Attends, si j'arrive à en écarter un, c'est bon, je passe. Regardez. Lui, il faut que je le fasse partir là-bas. Et là, va se faire choper. Mais c'est là où nous, on va arriver. Charles Standish ? Oh non ! Charles, où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça ? Non. S'il veut me tuer, dites-lui. Dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête lui. Tout comme vous. Watson. J'ai donné votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Et elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale? C'était... Qu'est-ce que... Charles! Oh! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, faut y aller. Non, attends! Il a une info! Eh ben merde, on a cru que c'était un ennemi, mais en fait on est arrivé pile au mauvais moment les mecs. On a vu pile le moment où il fallait pas. Genre on avait plein de moments possibles, hein. Le moment où... Merde, moi je voulais rentrer. Ouais, et on peut aller... Attends, pas contente. Ah bah tu m'étonnes toi. Bon, alors est-ce qu'on a une nouvelle mission? Une mission normale. Non. On a encore une nouvelle tenue. Ah non, on a un nouveau pouvoir. C'est quoi ça en fait? 1989. Attends. What? Réduire la gravité une fois en l'air.
Ok, non, moi je préfère mon truc qui attaque tout le monde. Et au fait, une dernière chose. Désolé Charlie, t'as un mec, tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire c'est désolé Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça? Quoi? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels? Bien. Michaels se trouve quelque part dans le Bowery. Ça peut le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Ok, bon. Donc là, on va aller. Il y a un truc sur Grande Centrale avant que je déboule. Il a. Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Alors, Parker, on va où? Ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Y a pas une mission par là? Demain. Ouais, bah ouais, mais c'est demain donc faut dormir. Bien joué, dormir. Monsieur le super-héros. La vache, je suis sur les nerfs. Bon. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Ok, ouais. Ouais, en fait, là, ils nous disent à chaque fois ça. En fait, ça, c'est notre mission. Faut s'entraîner et puis après, on parlera. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Bon. C'est qui? C'est des démons? Les gars, de toute la destruction de New York, on l'a déjà fait. Merde, en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça, moi. Ok, Spider, tu me les laisses, ok? Le gros, tu le gardes. Ok, le gros, on avait dit tu le gardais, putain, mais qu'est-ce que t'as foutu encore? C'est la mère de Miles. Allô? Monsieur Parker, c'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au Refuge 6. C'est un plaisir. Et appelez-moi tout faire. Monsieur Parker, ça irait mieux à quelqu'un de plus posé que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. J'en parlerai à Tante May. Je fais en sorte d'être là pour ce premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Tchuss !